C'est parti, Rabbeinu. Bien, nous sommes dans Shabbat. Perek Tshiayi, Daf Petet Amud Bet. Et la nouvelle Mishnah, Amotia Etim Kedel Bashel Betzakala. Également en français, traité Shabbat, chapitre 9, page 89. La nouvelle Mishnah Moté Aitim Kedel Bashel Betzakala. Le cours est Yerfuat Kol Chole Amo Israël Bichlalam de Myriam Bazora. Michel Abitbol. Michel Abitbol Makore. כן, הוא במצב לא טוב. של הביטבול קורונה? כן, מאיר. כן, כן. של הביטבול בן סימי. כן, הביטבול בן סימי. ויצחק בן אסתר. מרים בן מרים זוהנה. זוהנה, אונלדי. מרים בדור. משה שוקרון בן סולטנה. מחילה. אלכסנדרה אסתר בת לונה פטרישיה. משה שוקרון בן סולטנה. כן. וסופי יופי בת לאה. ועוד מרים. ישריה בת מרים, יעקב בן ישריה ויצחק בן ישריה. השם יש. הרב שמואל בן ליבה. שמואל בן ליבה. המוציא עצים כדי לבשל בצעקלה. Celui, on est dans ce perek, on parle de, du minimum qu'on doit sortir d'un domaine à l'autre, soit du domaine de Reshut Hayahid à Reshut Harabim ou de Reshut Harabim à Reshut Hayahid. Celui qui sort Etim, il transporte donc des Etim du bois. Kedel le bashel betzakala, afin de faire cuire un œuf léger. Qu'est-ce que ça veut dire un œuf léger? On va voir dans la Gemara. Tebalin kedel le tabel betzakala. Des épices pour épicer. Betzakala, un œuf léger. Mistarifin ze imze, c'est-à-dire plusieurs tevalim, plusieurs épices peuvent s'ajouter pour la quantité minimale. Klifé egozim, klifé rimonim. Istis ufua kedei litzvua bahen beget katan. Les peaux de noix, les peaux de grenade. Istis, je ne saurais pas vous dire en français qu'est-ce que c'est, mais c'est aussi un fruit duquel on prend des peaux et les peaux donnent une certaine couleur. Foua aussi c'est une herbe qui est rouge et avec laquelle on teint. Comment? La garance. Ici ça dit kharkoum. Ici? Oui, il dit kurtam ou kharkoum. שממנו מפיקים צבע צהוב או כתום.
Voilà. Et foi, c'est rouge. C'est quoi le foi? Foi, c'est le garance. La garance. La garance. La garance. Oui. C'est quoi la garance? c'est comme une. Je crois que c'est une couleur ou une rouge. C'est une substance qui est pour la fabrication de teinture. Si il dit varenne, ça. La racine de garance. Varence, varence. Varence. Qui sert à fabriquer une teinture rouge. C'est rouge, c'est rouge. Oui, c'est rouge. Et une infusion de foie, celui qui a mal au foie, il peut la prendre. Et c'est, ça guérit. Rachid dit pour Istis, c'est rouge. Du bleu. C'est du bleu, azur. C'est pas... Karoug. Oui. Karoug, Karoug, c'est quoi ça? Karoug, c'est Karoug, Karouz. Et derrière, tu vois, Ben Beged Katan, c'est-à-dire la quantité suffisante pour. Teindre Beget Katan, un habit petit. Puis Sevacha. Meraglaim. Puis Sevacha. On a dit c'est le filet que mettent les femmes, c'est-à-dire. Maintenant, Meraglaim Neter Uborit Kamulia Veshlanke Dele Chabesh Beget Katan. Dit Meraglaim. Les Raglaim, c'est les urines. Également Neter. Neter, c'est un détergent. Neter, détergent. Borit, borit, c'est comme le savon. Saponaire. Hein? Ça s'appelle saponaire ici, peut-être c'est familier ça. À savon. C'est saponaire. Neter, je pense, Sapon. C'est... Rabbi, neter, c'est peut-être le nitrate. C'est le natron. C'est un genre de savon. Voilà. C'est un genre de quoi? Savon. Oui, oui, c'est un détergent. C'est ça. Néter. Également. Borit. C'est le savon. Camulia. Camulia aussi, c'est... Ça sert également pour la lessive, le eschlag, kedel chabes beged katan. Tout cela, ce sont des éléments avec lesquels on peut faire de la lessive. Peut-être les cristaux de soude et tout ce qu'on utilise pour blanchir. Également, Rabbi Ouda Omer, Kedele Avir et Taketem. Kedele Avir et Taketem, c'est-à-dire quand une femme est Nida,
elle a eu inquiétant pour savoir si c'est du sang ou autre chose. On fait passer ces articles de détergent. Si ça part, c'est du sang. Sinon, c'est une teinture. Voilà ce qu'on peut dire. Tanina hadazimna. Kane kede לעשות קולמוס עם היעב ומרוסס כדי לבשל ביצה קלה שבביצים תרופה ונתונה באלפס. Déjà on a appris dans la Mishnah plus haut qu'en on a vu que Kane le roseau, kede la asot kolmos, c'est si on veut faire sortir, emporter la quantité minimale, c'est de quoi faire un kolmos, c'est-à-dire une plume pour écrire. Imayab ou merousas, s'il était épais, merousas ou alors il est fondier. כדי לבשל ביצה קלה. סבא? כדי לבשל ביצה קלה. On l'a déjà appris שבביצים. Oui. La page 78. ביצה, comment elle doit être? Elle doit être terrufa. Elle doit être battue, cet œuf. On tourne à Baïlfas et est mise dans la marmite. Alors, pourquoi tu répètes et tu me dis à Etim כדי לבשל ביצה קלה? Alors il te dit comme ça. Maudi timatam hu de la hazelimide. Aval hetim. Aitim, pardon. Aval hetim de hazu. De kacham. De klidam. Afilu kochehu. Kamashmala. Dit là-bas. On a parlé de bichoul. Ça va? On a parlé de bichoul, kede le bachel, ken, kede la sot kolmos, vimayab, kede le bachel betzakala. Maintenant, etim kede le bachel betzakala. Est-ce que c'est une Mishnah qui est répétée? Pourquoi faut-il la répéter? Alors, il dit à Atam, ou de kolmos, si le kolmos il est merousas, il est fondillé, à quoi il va servir? À quoi il va servir? Alimenter le feu. Alimenter le feu, donc on va le jeter pour alimenter les bachels. Ouais. Les bachels. Comme du bois. Là-bas, ça va, on peut comprendre. Mais ici, dans le cas de Haïtim, pourquoi les bachels? Les bachels, ça prend plus de quantité de bois. Alors il dit, j'aurais pu dire ici, on aurait pu l'utiliser, les kacha de Aklidia, une dent de clé, avant les clés, n'est-ce pas, pour ouvrir, faisait des dents avec le bois, des dents de clé. Vous connaissez les grandes clés en bois. On l'a vu auparavant dans les pages 78. Il dit, on a vu pour le roseau. Alors, je répète. Tenina hadazimna. Nous avons appris déjà une fois. Kane, kede la asot kolmos. Kane, le roseau pour faire un kolmos. C'est-à-dire la quantité pour faire une plume. Imayav ou merousas, mais s'il était épais et qu'il ne se travaille pas du tout pour faire un kolmos, ou merousas ou fondillé, il ne sert pas. Kede le bachel betzakala pour
fer, alimenter le feu, le sortir la quantité nécessaire pour faire cuire un œuf léger. On l'a déjà dit. Mm-hmm. Pourquoi ici faut-il répéter, hein? Alors il dit comme ça, Mahou ditima, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Hatam hu de la hazeli midde. Là-bas, le roseau, il ne peut servir à rien. Le plus qu'à alimenter un feu. Hazeli midde, il ne sert à rien d'autre. Même si c'est une plume de roseau et que la plume n'est plus valable, qu'est-ce qu'il peut en faire? Il va jeter du bois. Du bois brûlé. Aval etim, mais le bois de Hazul et Kacha de Aklida qui servent pour faire fabriquer une dent de clé. Aklilo Kocheru, même Kocheru, je n'ai pas le droit de le faire sortir. Kamashmalan, aussi pour les Etim qu'il faut mesurer et tenir compte de la quantité nécessaire pour faire cuire un œuf léger, comme le roseau. On a compris ça ou pas encore? Rabbi, est-ce qu'on peut comprendre que ce kolmous, si il n'est plus utilisable pour écrire avec, il ne sera plus le shiur pour si on le met dans le feu pour cuire un œuf. C'est-à-dire que il s'est brisé ou il n'écrit plus. Le sofer ne peut plus l'utiliser. Ça rejoint le fait que Kané aider les Bachel Bessa Kala. Alors, il retombe à l'autre statut de bois seulement. Merci. Mais monsieur le rabbin, donc, si on avait considéré la quantité pour faire des dents de clé, ça aurait été une quantité moindre. Mais bien que ça n'ait pas une quantité moindre, on considère cette quantité qui est en fait une quantité supérieure. L'essentiel pour le bois, c'est d'être un aliment de combustion. Alors, on va tenir compte de la norme pour la combustion. De la quantité. Tu vois? D'accord. Tevalin, kedel les tabel betsa kala. Les condiments. Les condiments, les épices pour épicer betsa kala. Urmenu, il y a une objection. Tebalin, dans ma sechet Orla, il est dit comme ça, Shnaim Shalosh Shemot Mimin Echad ou Mishlosha Minim Asurin Mistarifien Zeimze. La Mishnah dans Orla, on dit Tebalin, les épices Shnaim Shalosha Shemot, deux ou trois différents, ayant des noms différents, Mimin Echad, une seule espèce dans les condiments, qu'est-ce qu'on peut trouver, par exemple, avec le poivre blanc, poivre noir. Le poivre long. Mais il s'appelle poivre. Ouais. Ça va.
פפריקה דו, פפריקה פור, וכן על זה הדרך. או משלושה מינים, הוא יפה יעבור תחוע מינים מאיון לממנו. אסורין ומסתרפין זה עם זה. ישנו אסורין בעורלה, בקלעים, מסתרפים זה עם זה. ישנו מסתרפים פור דון לוקה לטבל בהן ובכל אחד כדי לטבל. C'est-à-dire soit la quantité nécessaire on les assemble et on met la quantité qu'il faut pour les tabelles, bien un seul ayant la quantité voulue pour les tabelles. C'est comme ça qu'on fait. Elle dit, ou mistarfim, si pour épicer un plat, ça prend 3 grammes, je peux prendre un gramme de poivre blanc, un gramme et demi de poivre... Pardon, si c'est 3 grammes, c'est ça, un gramme et demi de poivre blanc, de poivre noir, et je le mets, mistarefim. C'est ceci. C'est fini, il s'ajoute. Nécessite pas. La même quantité d'un seul seulement tevel. Tevalim ensemble, ils peuvent à eux tous avoir la quantité. C'est-à-dire, il suffit pas qu'un seul doit avoir la quantité nécessaire pour poivrer ou pour condimenter. Il faut affiler les trois ensemble. Ils font la quantité. C'est cette quantité qui va décider de l'interdiction. Ça va, vous avez compris, non? À votre réaction, vous n'avez pas compris. On a dit Tevalin qui est l'état belle, Betsakala. Combien de quantité les tabelles Betsakala? Je vais dire 3 grammes, je ne sais pas. Je jette 3 grammes. Ça veut dire que si les motzi 3 grammes, il est chayav. Les motzi 3 grammes d'un seul. D'un seul, il est chayav. Ou d'une combinaison qui ont le même nom. Voilà. Poivre blanc et poivre noir, c'est le même poivre. Oui. Mais... À eux deux, ils ont donné 3 grammes. Mais s'ils sortent 2 grammes de curcuma et 2 grammes de poivre, ça fait 4, on dépasse, mais il n'y a pas de problème dans ça avec ça. Parce que ce sont deux différents. Voilà. Ça va maintenant, on a compris. Top. ואמר חזקיה, במיני מתיקה שאנו הועיל ורואין למתק הקדרה. מתנו, בחזקיה ינודי, כסכון פה אסמבלי אנסמבל. כסכון פה אסמבלי אנסמבל, זה פתור, טוב. Si c'est pour rendre, par exemple, un plat assez harif, assez relevé, peut-être pas. Mais il dit, ce qui a mené métika, c'est-à-dire tout ce qui sert à adoucir le plat, à le rendre doux, c'est-à-dire les épices qui radoucissent, c'est de cela dont on parle quand ils sont de différents noms abal chez la même espèce, ils s'ajoutent ensemble, ils comptent ensemble. Ho'il ur ho'in et matek kedera. Pourquoi cela? Ils ont cette importance du fait qu'ils ont la vertu ou la fonction les matek d'adoucir le plat.
Tama de Hazule Matek et Akedera. Ha lav hachi. L'eau. Mais il dit comme ça, le ta'am que donne Hizkiyahu, c'est parce qu'ils vont servir les matek et akedera pour adoucir la kedera, la rendre plus douce. Ah ben, si ce n'est pas adoucir, non. Ça veut dire qu'on ne va pas tenir compte de ce klal que nous avons dit. S'il y a deux ou trois condiments qui ont le même nom et différents, ils, à eux trois ou à eux deux, ils vont donner la quantité nécessaire pour faire cuire un œuf. Bah, Hizkiyahu a dit non. On parle de condiments qui sont mes matkim, qui adoucissent. Est-ce que ça veut dire, Rabbi, que les épices doivent être combinées? Elles doivent être ensemble, dans la même espèce, doivent être combinées? Par exemple, 1-1-1 ou 2-1? Je comprends que celui-là, il n'avait qu'un gramme de poivre noir et 2 grammes de poivre blanc. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de combiner ça? Alors, il le combine parce que c'est le même... C'est le même poivre, c'est la même espèce. C'est la même espèce. Voilà, d'accord. Deux poivres différents. Ouais. Mais pourquoi okay. Il sort comme ça? Parce qu'il n'a pas d'autre. C'est ça. S'il avait du poivre blanc, il avait besoin du poivre blanc, alors s'il sort 3 grammes, il est hayab. Ouais, voilà. Mais pour Hizkiyahu, monsieur Rabin, ça doit adoucir pour que cette règle soit opérante. Donc, le poivre, comment ça peut marcher? Le poivre, y adoucit-il? Il y a deux poivres. Il y a le poivre blanc. Et le poivre noir. Le poivre noir. Ils ont la même chose, le même effet. Peut-être que l'un, il est plus fort, un petit peu plus fort que l'autre, mais c'est tout. Mais on parle de méticave avec le poivre, parce que j'aurais pensé que le poivre... Non. C'est pour cela que Hizkiyahu a dit, c'est seulement les épices qui adoucissent. Alors il dit, « Hachina mi hazou le metek. » Même cela, « hazou le metek. » Tu rends un plat qui n'est pas épicé, n'est pas agréable. Alors, Rabbi, est-ce que lui, il veut dire metek, c'est vraiment pour donner du goût à la nourriture ou pour sucrer la nourriture? On a compris, pour donner du goût, les tabelles. Oui, mais après, il a utilisé le mot les matek. Il a les tabelles, c'est une chose, les matek. C'est adoucir. Je ne sais pas, dans le temps, il devait y avoir des épices qui adoucissent. Pour aromatiser, peut-être. Je ne sais pas. Adoucir, ce n'est pas aromatiser. Non. Les matek, c'est adoucir, hein, on cherche. N'est-ce pas, Rabbi? Oui. On cherche en tourne en rond. Les matek, c'est pour adoucir. Donc, ça peut être du sucre, ça peut être du miel, ça peut être des différentes autres de tavlinim. Il doit y avoir des tavlinim qui sont matekim. Oui, agave, le sucre, non. De la betterave, toutes sortes de trucs. Je sais pas, il y a le sel qui adoucit pas mal de choses. Moi, je pense, Rabbi, que lui, ce qu'il voulait faire, c'est apporter quelque chose d'autre, que ça n'a pas besoin d'être le même nom, mais de différentes sortes. Que lui, il vient dire les matek, que du moment que c'est pour adoucir, tu peux amener différents produits. Tant que ça adoucit, ça sera correct avec le shiur. Pour Hizkiyahu?
Oui, exactement. Que c'est ça, ça dit deux choses. Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, l'état bel betsa kala, c'est des tevalim et deux ou trois qui ont le même nom. Ce sont des tevalim qui servent à adoucir. Alors, il est toujours dans la même direction. Il est toujours dans la même direction. Merci. קליפי אגוזין וקליפי רימונים סטיל סופה כדי לצבוע בגד קטן. ביאם. אורמיני, ילווה ופוזה נועד une braïta à la Mishnah. Hamotzi sammanim shruin. Celui qui fait sortir sammanim, c'est des ingrédients pour t'es dur. Alors, dit Urmini, Hamotzi Sammanim, Shroin. Sammanim, c'est des ingrédients de teinture. C'est-à-dire des cristaux de teinture shruin qui sont infusés dans de l'eau. Ça va? De quoi? C'est-à-dire la quantité de quoi litzboa bahen dougma le'ira pour teindre avec Dougma, un modèle, les ira, c'est-à-dire avant que, qu'est-ce qu'il faisait, il teignait des morceaux de laine, un en rouge, l'autre en bleu, ou plusieurs rouges, et il montrait au client la couleur. Dougma, c'est-à-dire le modèle. Des échantillons, c'est ça. Un échantillon, la ira, c'est-à-dire pour l'échantillon, n'est-ce pas, teint, pour que le client choisisse la couleur exacte qu'il veut. Alors, on a dit cela, ici, soufoua, maintenant on a dit beget katan. Et là-bas, on a dit l'aïra, l'itzboa tsemer, dogma l'aïra, c'est-à-dire l'échantillon en laine pour montrer l'exemple de ce qu'il veut avoir. Et pas beget katan. Ici, c'est beget katan. Alors il dit non, on a besoin des deux. Pourquoi? Parce que Haït Marala, Amar Ibn Ahman, Amar Rabba Barabou, les filles chez un Adam, Toreyah, les Shrot Samemanim, les Tzboa Bahen, Dougma Laïr. Bar Ibn Ahman dit au nom de son maître Barabou, les filles chez un Adam, Toreyah. Personne ne fait l'effort, n'est-ce pas, l'ishrot samémanim, de faire infuser ou de diluer
des samimanim, des ingrédients de teinture que des litzboa ba'en dougmalaïra. Quand est-ce qu'il fait cela? Quand il a, pour Beget Katan, il trempe, il fait des échantillons, mais pas exprès. Pas exprès, mais si jamais il avait cette quantité nécessaire qui va, si jamais il a dilué la teinture, mais là, on ne parle pas de diluer. Klifé Egozim, Klifé Rimonim, Klifé Estis ou quoi. Je répète pour être clair. Donnez, pardonnez deux minutes, je vais aller sortir boire. J'ai demandé comme la porte. Voilà. On dit ici, celui qui sort Klifé Egozim, les peaux de noix, Klifé Rimonim, les peaux de grenade, Istis sous foie, soit l'ingrédient pour teindre en jaune ou en vert, jaune, non, techelet, c'est bleu. Bleu. Poire et rouge. Kedelitsmoa beget katan. La quantité qu'il faut pour teindre beget katan. Beget katan, c'est plus que les échantillons. Ça va? Alors, Ormin, il dit, j'ai déjà une braïta qui dit moins que ce que tu le demandes. Voilà, ruin wa motsi sammanim shroim kedei litzboa bahen dugma le'ira. C'est un peu de laine qu'on teint pour échantillon. Et toi, tu me dis beget katan. Je dis, ça va, c'est pas un problème. Ah, itmar ala. On a déjà dit là-bas, Amar Rav Nachman, Amar Rabba, Barabou Ali, Vishéen Adam Toréah, Lishrot Samimanim, Swaba Mahen, Dougma Laïra. Personne ne fait un effort pour diluer la teinture, juste de quoi teindre l'échantillon de laine, Laïra, pour montrer la couleur. Laïra pour montrer les couleurs. Ça veut dire que si il avait de la teinture diluée et qu'il prend la quantité de quoi teindre Laïra. L'échantillon, il est hayab. Non. On a dit que personne ne va faire tout ce travail juste pour un échantillon. C'est pour cela qu'il dit Beget Katan. Mais si jamais il a fait sortir une fois qu'il avait l'échantillon, j'ai envie de dire. Il avait déjà. Alors ça a quand même une petite valeur. Voilà. Il dit là-bas, on a dit le fichier Nadam Toreya. C'est cette tircha qui valorise l'échantillon et donc il est chayav. C'est comme ça que on doit comprendre. Et puis chez un adam toreh l'asot, il va être choré pour une petite quantité. Il va préparer une teinture pour une petite quantité. Non. Non. Alors on l'a dit là-bas. On a dit c'est pas réel. Mais que ça serait, si jamais il avait la teinture déjà diluée,
Et il sort Shabbat la teinture diluée. Ah. Ok. La même chose, Rabbi, si vous allez au magasin pour avoir un échantillon de peinture, il va vous vendre un minimum d'une petite canette. Même si vous voulez rien qu'un pinceau pour savoir la couleur, il vous oblige d'acheter un certain montant. Alors, ça veut dire que vous n'allez pas utiliser le tout. Alors, ça revient à ce que vous voulez dire, que personne ne va y aller le faire s'il pouvait juste prendre un petit... Amen. Amen. Mère Aglaine. Tana. Mère Aglaine. Ad ben mem yom. Tana, on a pris dans la Braïta, Mère Aglaïm, les urines qui vont servir ici, c'est d'un bébé qui n'a pas atteint 40 jours. Ad ben mem yom. Mais le bah, il corrige. Il y enlève le ben. Et dire, Meraglaïm, Memium. C'est-à-dire, il donne l'explication, Meraglaïm qui dure depuis 40 jours. Moins de 40 jours, c'est valable. Plus de 40 jours, ils ont perdu leur efficacité. Selon le texte que nous avons, ad ben memium, c'est-à-dire, on parle, c'est un bébé qui a uriné, on utilise son urine tant qu'il n'a pas atteint 40 jours. Bah, le bah, il dit, enlève le ben, et dit ad memium, jusqu'à 40 jours. C'est-à-dire, c'est les urines qui durent jusqu'à 40 jours. Tu les as déposées qu'à 40 jours. Moins de 40 jours, ça va. Ils peuvent avoir cet effet, surtout pour la tâche de la femme qui est nida, n'est-ce pas? Si on passe le même... le meraglaïm de même yom, de moins de même yom, et que ça part, ça veut dire c'est du sang. Néter. C'est quoi ce néter? Tana, néter alexandrite, vélo néter anpantrine. On a expliqué dans la Braïta le néter qui provient d'Alexandrie, Alexandrite, qui provient d'Alexandrie, et non pas d'un pantrine, un pater. C'est un endroit, comment on appelle ça, en Yavan. En Grèce. En Grèce. Borit. Amar Rabbi Yehuda Zehol. Rabbi Yehuda dit, Borit c'est Hol, un sable. Un sable qui servait pour enlever les taches. Effectivement, il y a un sable. Quand on saupoudre la tache,
et on passe un fer, le sable, il absorbe toute la tâche. C'est un détergent. Je ne sais pas comment l'appeler, mais je sais qu'il a été utilisé. Alors, on pose la question à Rabbi Houda, comment tu peux dire que Borit, c'est du sable? Voilà qu'il est écrit dans la Braïta. Ken? Hatania. La Braïta dit « Borit ve'achol ». Borit et Chol. Franchement, ce sont deux éléments différents, deux matières différentes. La Borit et Chol. Et la Maï Borit, Kabrita. Que je sais que Borit, c'est le soufre. Le soufre. Le soufre, il était un détergent dans le temps. Je répète, à Borit, on a dit Rabbi Houda Zé Hachol, c'est un sable, Hachol, Vatani à Borit ve Hachol. La Braïta dit Borit et Chol, Mashma, que Borit c'est différent de Chol. Et Lamaï Borit, que veut dire Borit? Kabrita. Kabrita, c'est le soufre. Kabrit. Ça va? Métibé. Objection. Aussi, il faut aller à Halbitsin, vers l'Ainun, vers Borit, vers Ahal. Il dit aussi, il faut aller, c'est-à-dire pour la Shviit, on a interdit autre chose. Aussi, il faut aller à Halbitsin. Halbitsin, c'est la trousse. Je ne sais pas ce que c'est. Vous qui avez la traduction, c'est quoi? C'est l'absinthe. Beitze netzhalav. Netzhalav ou esev, bal alim adomim le machatim. Netzhalav, c'est un... Des laitrons maraîchers. Shorashav domim le beitzim. C'est une plante. C'est une plante, oui. Ça provient du mot halav, il dit Rashi. Mais oui. Mais c'est quoi? Il dit la trône, la trousse, la trône. C'est le laitron maraîcher. C'est une herbe sauvage qui possède des feuilles semblables à des chardons et à une sève laiteuse. Et ça, c'est Netzhalav. Voilà, c'est que c'est une herbe sauvage qui... Ve'alainin, c'est l'ana. C'est une herbe qui est amère. Ve'aborit, ve'ahal. Ahal aussi, c'est un... Donc on dit, ha'aborit, ve'ahal. Ve'isakadata kabrita, kabrita mita v'shvit. Et dit, si tu dis que Borit et Kabrita, or dans la suite, qu'est-ce qu'on peut interdire? Dans une suite, dans une année de Shemitah, qu'est-ce qu'on interdit? L'année sabbatique. L'année sabbatique, on interdit tout ce qui pousse dans la terre. Dans la terre. Tandis que le Kabrit, le soufre. Bah, il pousse pas. C'est pas une plante. Il pousse pas. Non. C'est pas une plante. Mais... Si tu dis que Haborit, c'est Kabrita, comment on l'a interdit Bashviyait? Aussi, il faut aller en Bashviyait. Haborit aussi. Haborit n'est pas du tout une plante. Donc Haborit, ce n'est pas le soufre. On vient de prouver le... Voilà.
Alors, c'est quoi? Alors, Vatnan, Zéaklal, Koshish Loïkar et Shloshvit, Shen Loïkar et Shloshvit, pour celui qui a une racine, il a Shvit, celui qui n'a pas de racine, pas concerné par Shvit, il a Maïborit, c'est Ahala. Ahal, Ahal, c'est un savon. Alors il dit, Vatania, Vaborit, Vahala. Donc, c'est deux matières qui sont différentes. Et là, très gavné, Ahala. Il y a deux espèces de Ahal. Un qu'on appelle Borit et l'autre qu'on appelle Ahala. Alors, ici, ils traduisent Ahala par l'Aloès. C'est possible. C'est possible. L'Aloès, c'est un détergent. Allô? Je ne suis pas sûr. L'Aloès. C'est comme un savon, en fait, l'Aloès. De liquide. C'est un détergent. C'est une plante. Plante, un mèche-à-mèche, les kibous, qu'on utilise pour... C'est une plante, l'aloès. Ils s'en servent dans les produits cosmétiques. Alors, ça s'appelle aloès vera. Voilà. Je vais recommencer. Rabbi Ouda, il a dit, Borit, c'est... Hol. Alors, on lui a objecté, la Mishnah, il dit « Aborit » et « Ahol ». Donc, il fait une distinction entre « Borit » et « Ahol ». Donc, « Borit » n'est pas « Ahol ». Alors, elle a dit c'est quoi « Borit » C'est « Kabrita ».« Kabrita » du souffle. Alors, le souffle, on a dit « Ça ne peut pas être le souffle ». Pourquoi ? Parce qu'on avait, quand ils ont ajouté des interdits pour la « Shvit », ils ont interdit aussi Borit. Borit. Ça ne peut pas être du souffle. Borit avait l'explication de Kabrita, comme tu as dit tout à l'heure. On ne peut pas du tout l'avoir interdit par Shvit. Shvit, parce qu'il n'y a pas du tout, ce n'est pas une plante. Même dans les plantes, on a dit celui qui a un ikar, celui qui a une racine, il a été interdit. Celui qui n'a pas de racine n'est pas interdit. N'est pas interdit. Alors il dit non. Borit, c'est Ahala. C'est Ahala, comme tu une dis. Ouais. Il dit alors, mais on a dit Borit, mais Ahala. Ça ne peut pas du tout être les mêmes. C'est très différent. Il a dit oui, il y a deux minés Borit. Il y a deux minés à l'autre, un Borit et l'autre à l'autre. Voilà. Le reste, demain, Bézat Hashem. Mardi, Bishimcha, Hagim. Hagim, Ouzmanim, Lézasson. Je vous trouve assez léthargique avec les petites cossottes de. C'est la matzah, Rabbi. C'est la matzah. De vin. De vin, plus la matzah, ouais. La matzah elle endort. Ouais. La matzah endort. Ah ben c'est bien. Merci Rabbi. C'est pas bien. Merci Rabbi.